C'est parti pour cette confrontation donc Monster contre CCL. En direct du Bushido Impact Rebirth. Alors là vous avez la grande Conster, c'est-à-dire on se concentre avant, on fait la bulle, on se met dans une bulle, on laisse pas les choses à l'extérieur apparaître. Voilà. On se concentre, on se rappelle le match-up. À ce moment-là, ouais, aussi, à ce moment-là, on n'a pas une migraine. Hein. À ce moment-là, on réfléchit, on se dit comment ça se passe contre Tune. Comment on fait le vide, voilà, fait le vide et il se rappelle le match-up quand on joue contre Tune. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on finit ceci avec cela. Voilà, ça c'est important. Vous avez un gros match à faire. Rappelez-vous, au moins projetez-vous avant de jouer dans le match. Rappelez-vous ce que vous devez faire quand vous jouez contre Klo, quand vous jouez contre Bison, quand vous jouez contre Tune. C'est important. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, bah ça se regarde là, s'il y a de la tension. Soit hashtag qui punit le saut neutral MP. Et la chope qui va passer après. Allez, là le vortex, il y a le vortex. Le plus pour sortir le vortex. Allez, ça pique de deux côtés. Ils ont aucune envie de se laisser rentrer dans le main game. De deux côtés. Ils sont durs comme des rocs. Allez, la palle qui casse ça, c'est Nawak. Ça enlève 200 en plus. Fan pour charger aussi bien la barre de super. Voilà le stealth. Ouais, la MP, c'est joli ça. Allez, le exoscoy, on se laisse pas avoir. Bien joué. On la joue crade, on laisse pas Yoon rentrer. C'est rentable, c'est complètement rentable de jouer les exoscoy. Voilà, le shoulder, c'est dans la garde. Boskoy aussi. Exoscoy, il remballe. Déjà, il a plus de vie. Deuxièmement, vous prenez pas le vortex. Et troisièmement, on peut pas le punir. Donc, de toute manière. Ah, c'est joli. Est-ce que le dive est passé? Non, il n'y a pas de dive. Et la launch punch qui le punit pas. Mais qui rattrape au moins au niveau de la distance pour se rapprocher. T'as envie d'ailleurs, t'as envie de prendre cher quand même. Allez, voilà, c'est joli ça. Bien joué. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que tu mets un dive kick en cross-up, tu touches en haut du crâne, parce que ça l'a relevé. Ouais. Et quand tu touches en haut du crâne, tu peux pas combo derrière. T'as un trou. Même si t'as touché, t'as un trou. Sauf que ton adversaire, toi quand t'es en face, tu t'es pris ça, t'as qu'une envie, c'est de mettre la parade. C'est de faire gaffe. Même si tu sais qu'il pourrait bourrer un truc parce que l'autre il peut pas combo, c'est quand même vraiment stress. Et ça, à chaque fois, ça se fait avoir. On voit CCL rentrer, il a fait ça contre Forge, il fait ça contre Conster. Le dive kick en haut de la tête, c'est vraiment du mind avant tout quoi. Ah, c'est joli, ça, ce petit décalage de Tsunagé là. La belle avance pour joli, Conster qui va peut-être. Allez, enfin, festival de couture, grande classique. Il y a une vidéo qui était sortie sur Event Tubs, Just Slime Hit ou un truc comme ça. Ouais. Un mec qui gagne que les coups de tuer les deux. Exactement. Et là, c'est le festival de coups de tuer, c'est vrai que c'est chiant parce que tu sais jamais comment la focus il finit derrière, tu vas finir. C'est vraiment galère à punir le coup de tuer. C'est clair. Et au moment où tu es focus, à ce moment-là, tu fais un doskoy et tu remballes ta barre. Donc voilà. Allez, allez, super, et là, super, là, c'est. Et là, on rigole pas parce qu'on fait grenade. Ah, il rate le MK, il reste le HK. Il rate le launcher. Un punch à nouveau. Et c'est la merde parce que quand t'as. Ah, c'est joli ça. Toutes les barres de Hex. C'est joli. 3 doskoy d'affilée. C'est celle qui est déstabilisée. Qui aurait pas dû louper ce truc là. Et ouais. Il nous a loupé le launcher, il a pas pu nous mettre le gain. Et ouais. Ouais, c'est joli ça ce qui nous a fait Conster. Et donc 1-0 pour Conster. Ah, je suis en train de perdre ma voix là, je vois des phases depuis tout à l'heure dans les matchs, il y a des phases de fou. Allez, décalage une shop, ouais. Décalage shop, allez, de light, c'est dans la garde. Allez, l'ouverture, allez, le HK. Allez, le dragon nature. Décalage dragon nature. Allez, on se fait pas avoir. Ouh, le chaque fois, il peut pas faire des launch punch comme ça sur Honda là. Il pourra pas rentrer launch punch, Honda qui est vraiment là. Voilà, Conster qui a l'avantage. Qui monte son Honda, il qui est a pas l'avantage même psychologique. C'est celle qui ne veut plus avancer, qui charge la barre déjà pour le prochain round, je pense. Hein. Le shoulder. Ouais, ouais, il charge là, il charge. Je pense qu'il a. Il a juste oublié de ouais, il... Ah, il peut voilà. Allez, un Genei, là, il peut allez, nous trouver quelque chose. Avec un... Voilà, très bien le dive kick en cross-up, et c'est dommage. Dommage. C'est super dommage là, il a trouvé le dive kick en cross-up. Et Conquistor, bah comme je disais tout à l'heure, Conquistor ne fera plus avoir une dernière fois. Parce que là, il voit le dive kick contre ça qui touche. Il saute arrière grosse baffe pour s'en sortir. Allez, coup, allez, saut gros vide. Gros doskoy qui se fait punir avec le. Allez, voilà, super, on peut rentrer là. Il y avait peut-être gros damage reduce, il a choisi de ne pas la lancer. Oh, joli le petit poke là. Oh, c'est joli, ça avait le juggle là. Ah la dive kick, là, voilà, la pression dans le coin, mais il se laisse pas faire Conquistor. Grâce aux allez, mains, l'ouvre. Mais il remange quand même vortex, l'enchaînement de dragon. Light. Allez, très bien, le deuxième. Dragon, allez, voilà, les mille mains c'est gardé. HK, les deux ont aussi. La super. HP. Conquistor, la super, c'est à son avantage. Il montre déjà ce qu'il veut faire, notre cher Conquistor. Il veut faire HP tout super.
faut faire attention pour CCL. C'est CCL qui veut bien entendu mettre le shoulder to Genei. Oulala, oh, jolie ouverture là, il connaît. Oula, la chop à nouveau. La sloop hein, quand même. Hein. Les dive kicks, enchaînement de light, ça ne passera pas. Pas. Ouh, HK qui... Ouais, non, il peut pas le mettre de trop près. Il peut pas le mettre de trop près. Mais il y avait quand même très gros risque. Hey, voilà, le joli, target et ça, combo. C'est complètement à l'avantage du CCL. Qui a sa super intégralement chargée. Kongster qui a bah, du coup gaspillé 2 barres avant de perdre de rounds. C'est super dommage. Il voulait en finir, il pouvait finir le match là, mais il a gaspillé 2 barres. Le CCL allez. Qui maintenant a la super intégralement chargée. CCL mais qui... Kongster qui veut pas le laisser rentrer. Voilà, donc il va faire le bourré à mort. Le dragon il va le presser jusqu'à la mort. Un peu pipé. Il va le presser jusqu'à la mort. Il a pris une demi-barre d'avance. Il a mis une tarte. Et là, Kongster qui a repris sa barre. Qui a repris sa super. Et là c'est la merde. Allez, et voilà, et là c'est la voilà, merde pour CCL. Lunch punch. Allez, c'est celle qu'il faut qu'il trouve l'ouverture là, il veut pas trop sauter. Ouais, il l'a, il l'a. Genei, allez, on rate pas. Oh, il rate Genei. C'est ça sort. Le Doskoy 2 x 2. Parce que tout à l'heure, il a le 101 x 3, voilà. Allez, le quatrième. 1 x 4. Ah pas putain, c'est celle qui rate encore ce match sur le ah, Genei ouais, raté. C'est dommage. Hein. Sur le launcher. Allez, on va voir s'il va pouvoir quand même revenir malgré ça. Il est parti trop tard et c'est fini. Ouais, non, c'est terminé. Très gros match de Kongster. Voilà, très gros match de Kongster.